Afin d'entretenir correctement son eau de baignade, il vous faudra suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, analysez son eau, puis suivant le résultat, équilibrez l'eau et désinfectez l'eau. Si besoin, prévenir et résoudre les problèmes, et enfin mettre l'eau en hivernage quand le moment est venu. Pour simplifier l'entretien de votre piscine, contrôlez au moins une fois par semaine votre eau. Comment analyser votre eau de baignade? Tester l'eau de votre bassin est le geste indispensable avant tout traitement. Aujourd'hui, les analyses sont simples et rapides. Vous pouvez utiliser des kits d'analyse pastilles et leurs réactifs, des testeurs électroniques ou des bandelettes. Grâce aux bandelettes, l'analyse est simple et rapide. 6 mesures sont possibles simultanément. L'alcalinité, TAC, le taux de pH, le taux de stabilisant, le chlore libre et le chlore total ou brome, et enfin la dureté de votre eau. Comment fait-on? Plongez la bandelette d'analyse à 30 cm sous l'eau pendant 4 secondes. Ne pas agiter la bandelette en la sortant de l'eau et la maintenir à plat pendant 15 secondes, tampon vers le haut. En comparant les couleurs de chaque critère et en lisant les valeurs associées, vous pourrez vérifier la qualité de votre eau de baignade sur les 6 critères de la bandelette. Une autre solution pour contrôler l'eau de votre piscine est d'utiliser cette trousse qui va analyser le pH et la teneur en chlore de votre eau. Commencez par remplir la trousse d'eau de votre piscine en prélevant à environ 30 cm de profondeur. Puis, introduisez une pastille DPD pour la mesure chlore à droite et une pastille phénol red pour la mesure du pH à gauche. Refermez bien la trousse et secouez. L'eau se colore dans les deux compartiments. En comparant l'échelle colorimétrique avec la couleur de l'eau, vous obtiendrez vos valeurs d'analyse. Selon les analyses obtenues, commencez par équilibrer votre eau. Si le taux de pH est inférieur à 7, ajoutez du pH+. Au-delà de 7,4, ajoutez du pH-. Comment bien équilibrer votre eau de baignade? Maîtrisez l'alcalinité de l'eau, TAC, pour un pH stable. Le TAC doit être mesuré lorsque le taux de pH varie de manière fréquente, lors de la mise en eau de votre piscine ou de la réouverture de printemps. Le TAC idéal doit se situer entre 15 et 25 degrés français ou 120 et 180 mg par litre, comme indication sur les bandelettes. Si la valeur du TAC est inférieure à 15 degrés, versez 3 dosettes de 50 ml, soit 200 g de TAC+, pour 10 mètres cubes d'eau pour augmenter de 1 degré. Répétez l'opération pour atteindre 15 degrés. Si la valeur du TAC est supérieure à 25 degrés, versez du pH moins poudre pour ramener ce paramètre dans la zone idéale. Mesurez de nouveau le TAC après un cycle complet de filtration et recommencez l'opération si nécessaire. Conseil, avec une eau calcaire, faites un traitement anti-calcaire avant de régler le pH. Comment ajuster le niveau de pH de l'eau? Le pH moins poudre permet de réduire le pH lorsque celui-ci se trouve au-dessus de 7,4. Dissolvez la poudre dans un seau, puis versez la solution devant les refoulements, filtration en marche. Dosage, pour abaisser le pH de 0,1 unité, utilisez 75 g pour 10 mètres cubes. Cette indication peut varier en fonction de la qualité de l'eau. Procédez par dose de 0,1 unité pH toutes les heures. Ne pas dépasser une dose maximale de 500 g par 10 mètres cubes. Le pH plus poudre permet d'augmenter le pH lorsque celui-ci se trouve en dessous de 7. Dissolvez la poudre dans un seau, puis versez la solution devant les refoulements, filtration en marche. Pour augmenter le pH de 0,1 unité, utilisez 60 g pour 10 mètres cubes. Pour augmenter le TAC de 1 degré, utilisez 150 g pour 10 mètres cubes. La dissolution est totale, elle ne trouble pas l'eau. Comment bien désinfecter votre eau de baignade? L'eau des piscines et des spas est un environnement sensible. Si le taux de chlore se situe en dessous de 0,5 à 1, faites une chloration choc pour réajuster le taux de désinfectant dans le bassin. Pour une eau claire, désinfectée, stable et durable, il est important d'appliquer les traitements adéquats. Le chlore choc multifonction effervescent libère rapidement le chlore grâce à l'effervescence des pastilles. Son action désinfectante empêche la résistance des micro-organismes et assure le rattrapage des eaux troubles ouvertes. Sa double action clarifiante permet d'obtenir une eau cristalline. Placez les pastilles dans le panier du skimmer, de préférence le soir en l'absence de baigneur. Au remplissage de la piscine ou traitement initial, 3 pastilles pour 10 mètres cubes d'eau. Traitement choc. Chaque fois que le taux de chlore est inférieur à 0,5 mg par litre, ajoutez 4 pastilles pour 10 mètres cubes d'eau.
le taux de chlore idéal doit être compris entre 1 et 3 mg par litre. Le chlore multifonction permet une désinfection longue durée, une action anti-algues, flocculation, clarification et une stabilisation de chlore. Ce produit simplifie l'entretien de votre piscine. Introduisez dans le doseur flottant ou à défaut dans le panier de skimmer un galet par semaine pour 30 mètres cubes d'eau. Le taux de chlore libre, régulièrement contrôlé, doit se situer entre 1 et 3 mg par litre. Les galets de chlore lent assurent une chloration permanente de l'eau de votre piscine durant une à deux semaines. L'action désinfectante prolongée permet d'éliminer bactéries, virus et impuretés de l'eau. Pour une désinfection en continu, introduisez dans le doseur flottant ou à défaut dans le panier de skimmer un galet par semaine pour 30 mètres cubes d'eau. Le taux de chlore libre, régulièrement contrôlé, doit se situer entre 1 et 3 mg par litre. Très efficace à long terme pour une désinfection en traitement régulier et pour la suppression des algues, le brome est une bonne alternative au chlore. Vigilance toutefois, le brome est incompatible avec le chlore stabilisé ainsi que certains produits acides. Particulièrement adapté aux eaux chauffées et aux spas, le brome lent permet une désinfection en douceur sans irriter la peau ou les yeux. Pour l'entretien régulier pour piscine, une pastille pour 2 mètres cubes. Pour les spas, une pastille par mètre cube. Placez les pastilles dans un brominateur, puis réglez le débit afin d'obtenir un taux de brome compris entre 2 et 4 mg par litre ou dans un doseur flottant adapté. Ajustez l'apport des pastilles de manière à conserver un taux de brome entre 2 et 4 mg par litre en permanence. Ne lancez pas directement ces pastilles dans votre bassin. En présence d'algues, nous vous conseillons d'abord un traitement choc suivi d'un traitement algicide 4 à 6 heures plus tard. L'action est quasi immédiate. En solution alternative au chlore choc pour les eaux vertes ou troubles, l'oxygène actif a l'avantage d'être moins agressif, de ne pas irriter la peau, les yeux ou les muqueuses. Sa dissolution rapide permet une action immédiate du produit. Le taux d'oxygène actif doit être maintenu en permanence entre 4 et 6 mg par litre. Mise en eau, 180 g pour 10 mètres cubes d'eau. Traitement choc, 120 g pour 10 mètres cubes d'eau, généralement toutes les 2 à 4 semaines, suivant les conditions climatiques et la fréquentation. Dissoudre préalablement dans un seau rempli d'eau, puis verser la solution sur le pourtour interne du bassin. Comment prévenir et résoudre des problèmes avec votre eau de baignade? Des algues apparaissent dans mon eau de baignade. Si l'eau commence à changer de couleur, à devenir laiteuse, des algues se développent probablement dans votre eau de baignade. Vous pouvez donc vous tourner vers un produit anti-algues curatif. Le traitement va prévenir l'apparition et stopper le développement des algues. À la dose prescrite, l'anti-algue curatif détruit les algues et clarifie l'eau du bassin. Lors de la mise en eau, versez 0,2 litres pour 10 mètres cubes. En traitement hebdomadaire, versez 0,1 litre pour 10 mètres cubes. Lors d'une présence d'algues, versez 0,25 litres pour 10 mètres cubes. Ce produit doit être versé à la surface de l'eau ou devant les refoulements, filtration en marche. Une eau de baignade de plus en plus trouble ? Après avoir vérifié la filtration de l'eau de votre piscine, vous pouvez ajouter un clarifiant flocculant. Celui-ci va permettre d'éliminer les particules les plus fines en suspension dans l'eau et augmenter la finesse de filtration des filtres à sable. L'action flocculante permet d'amasser les plus petites particules qui se trouvent dans l'eau, de les regrouper afin de pouvoir passer et être filtrées correctement. Pour améliorer la finesse de filtration, versez 50 à 100 ml pour 10 mètres cubes d'eau lentement dans le skimmer, pompe de filtration en marche. Après 2 à 3 jours, effectuez un lavage à contre-courant. Flocculation dans le bassin. Arrêtez la pompe et mettez la vanne multivoie en position circulation. Rallumez la pompe. Versez devant les bus de refoulement 0,1 litre de produit pour 10 mètres cubes d'eau. Laissez fonctionner la pompe 1 à 2 heures, puis arrêtez-la. Lorsque l'eau redevient cristalline, aspirez les particules au fond du bassin avec un balai aspirateur. Rallumez la pompe de filtration. Comment bien préparer l'hivernage de sa piscine? L'hivernage liquide est destiné à la mise en hivernage des piscines. Il permet de détruire les algues et de clarifier la piscine durant cette période. Produit destiné à des piscines équipées de bombes de fond et d'un filtre à sable. Lorsque la température de l'eau est en dessous de 18 degrés, procédez à un nettoyage du filtre, vanne multivoie en position contre-lavage, jusqu'à ce que le filtre soit propre et que l'eau de la piscine soit en dessous du niveau des skimmers. Répandez 0,6 litres de produit devant les bus de refoulement par tranche de 10 mètres cubes. Faites circuler l'eau entre 4 et 6 heures en cycle complet. Couvrez la piscine et activez le mode hors gel de votre filtration si vous disposez de cet équipement.
Pour les piscines sans bombe de fond, nettoyez votre filtre, puis effectuez les points 2 et 3.